Ok, bueno, hemos pisteado ahora al oso con Ivón. Nos ha costado un poquito, pero bueno, los gruñidos que hacía eran de que él, Ivón, estaba seguro de que estaba muerto. Bueno, y así ha sido. Así que mi primer oso, mi primer disparo. Y además había visto tres anteriormente y ya no dejé pasar la oportunidad. Se hacía tarde y disparé a este con la suerte de haber dado en un buen sitio. Así que nada, hasta el año que viene. Good shot. Good shot. Thank you. Gracias, Yvonne. Congratulations, bro. Attends, mal d'aller. J'ai prélevé ce bel ours à 15h05 sur les territoires de Yvon Champagne. Franchement, c'est une belle expérience. Et je suis super content. Et t'as mis beaucoup d'heures là-dessus, hein? J'ai mis beaucoup d'heures dessus. T'as comme pas été chanceux. Mais là, à soir, ça y est, là. Ah, ça y est, ouais. À soir, j'avais deux clients, il y en a un qui a tué. À quelle heure t'as tué, toi? 3h15? 15h05. 15h05, puis l'autre à 15h10, tout après toi. Fait qu'on a récolté deux belles bêtes à soir. Patrick, félicitations, mon homme. Merci beaucoup. Who's the bear? Ah, tu parles en français, mon homme? I shoot it à 16 mètres. Donc là, il était en plein, trois quarts arrière. Je prends le défaut de l'épaule, je vois bien rentrer la flèche. Je pensais qu'elle n'était pas rentrée à fond. Puis en fait, il fait un petit peu moins de 100 mètres. Donc voilà, tiré à la crossbow. Première saison de chasse au Canada, premier ours, après 15 ans de tir à l'arc. Ça fait combien d'ours que tu as vu aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, c'est le 9e que je vois là chez Yvon. Super journée, je vois une mère avec deux mères, avec des petits. Je vois un mâle que je tire pas au tout début, c'est peut-être lui. Et après, donc je le revois, il me surprend, je le vois dernière minute, il revient là-bas. Une belle flèche, félicitations. Bon, merci. The Griffin Tours, was my first day. About 7 hours in, bear walked across, just like they said it would, and got a good shot and took it. That's a nice, nice male. Yep. Wait, you weigh 220? 220, yep. Yeah, beautiful animal. Yep. What do you expect to do with that? Very beautiful. What do I expect to do it? Yeah, I have a rug or a half mount. Tan the hide, get a rug, and oh, yeah. Eat the meat. Yes, sir. Good. So let's go. J'ai envie d'avoir fait cet animal, tu sais bien pourquoi. Parce que depuis le temps que j'en rêvais, il est arrivé sous le Mirador. Et il est passé au niveau de la bouffe, il est allé un peu plus loin. Il est revenu, là je lui ai mis une première flèche. Il est revenu, il s'est couché à 20 mètres. Et puis là, bah, tu vois, je lui ai mis une belle flèche et bon, je suis heureux de l'avoir retrouvé. Il y a plusieurs heures et jours de chasse là-dedans. Hein? Hein? Ah ben oui, écoute... Ça fait quoi? Je pense que ça doit être la 6e fois, mais enfin, il y en a eu un autre qui est mort depuis, hein. Ouais, bon. Mais ouais, tu l'as mérité, moi aussi. Félicitations, Humpkin. Running. Go ahead and say something. Nice hunt here. Yeah, beautiful here. Had a great time. Really good hunting area. And success. You got a nice bear. Thank you. You liked the ride with my son yesterday? I did. Yeah? That was actually pretty fun. Yeah, huh? Very scenic and beautiful, so. What time did the bear show up? Came early? What time did he show up? Within an hour. An hour? An hour? That's an it? Hour. Man, what a short hunt. Yes. So, congratulations. Bonjour à tous, et ben nous voilà chez Yvon pour voir les griffes d'ours. Voilà, troisième jour de chasse, 20h15, l'ours arrive. Magnifique, super, beaucoup d'émotions, c'était vraiment génial. Très très bel animal, très surprenant. Je suis vraiment très très content d'avoir pu prélever cet animal. Tout ça sur un séjour qui se passe magnifiquement bien. On a été très très bien reçus, très bien accueillis, on a très très bien mangé. Merci à Ginette, merci à Yvon, merci à Philippe. C'était vraiment un séjour, c'est un séjour inoubliable. C'est la deuxième fois que nous venons ici. Et comme on dit, jamais deux sans trois. Donc Yvon, merci encore. Une très belle bête, hein? Puis ouais, en plus, il faut dire que c'est excessivement rare qu'on récolte des ours avec un long bout. Oui, je suis très très content, écoute. Très fier de la bête a fait quoi, 50 mètres, même pas, là? À peu près, ouais, environ ouais. 50 mètres, je suis vraiment très content. Et si on parle d'émotion, est-ce que ça vaut la peine? Ah, c'est inimaginable. Oui, hein? C'est unique, on peut pas... c'est vraiment un animal magique et c'est... Beaucoup le cœur qui sort de la cage thoracique et voilà, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotion. Bon, mais félicitations pour ton tir. Merci Yvon. Bah, écoutez, nice super bear. Chasse avec Yvon.
suis là depuis 3 jours. Ça fait le... Ça, c'est le 9e hier que j'ai vu. Ça s'est très bien passé. J'ai pu tirer dans de très bonnes conditions. Le site est super. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de jeunes. Donc là, c'est une flèche qui est prise 3 quarts arrière. L'animal fait 100 mètres. Je l'écoute, après s'effondrer. Et donc, on le retrouve assez facilement. Donc, très, très belle chasse. Avec une super équipe, un super guide, et voilà, avec Philippe, Yvon et Ginette qui gèrent très bien la pourvoirie. Et un super week-end avec les copains français. Voilà, donc j'ai utilisé l'arbalète après 15 ans de chasse à l'arc au compound sur sanglier et chevreuil en France. Un très beau tir, belle bête aussi. Hein. As-tu eu un petit peu d'émotion hier, Anthony? Au moment du tir, ça allait. Après, l'émotion est montée très vite après le tir. Oui, hein? Le cœur s'est mis à trembler. Écrire un texte sur un téléphone, c'est moins facile texto, un peu. Hein. Le texto pour prévenir le guide a été dur à écrire. Bon, félicitations, puis on va aller enlever la poudre dessus. Set up, wasn't here 5 minutes. Looked up on the ridge, saw 2 bear, one really big one with a black face. Couldn't get a shot. Sat here maybe 10 minutes, heard a twig snap right under me. Looked down and this bear was walking out. Beautiful female. Look the side of the head. That's a really old female. I ended up shooting at beautiful five bear. Yards. Yes, sir. Never took another step and beautiful bear. So this is your third night this year. First night we seen shit the first night. First night I didn't see anything. Last night I passed up a nice bear, and then tonight I wasn't in the stand half an hour when I shot this one, and yes, I'd sir. Only seen two when I seen this one, but I think this is the one that I seen up on the ridge. Did a good shot. Oh yeah, it didn't. Yes, sir. It didn't go nowhere. Yes, sir, I love it. Yep. Nice bear though, beautiful coat. Okay, let's go drag that bear out. Record.